Bon, après avoir étudié les réactions substitution nucléophile et élimination, donc en chauffant la compétition entre substitution nucléophile et l'élimination. Compétition entre SN et E, entre l'élimination et la substitution. Bon, on considère un substrat H fait un nucléofuge, mais même chez les substituants liés par les deux atomes de carbone, on a H ou X. Bon, maintenant, on va dire à la base, B moins, on a la nucléophile. Bon, les deux espèces sont chargées négativement. Ok? On a une espèce, un goulot, Y moins. Il a quand même Y moins basique. Je te le dis, il a quand même basique. Un tas basique. Attaquer le H. Ok? Elle déprotonne la molécule. Tu dis le H. H. Libérer les électrons pour former. Libérer son électron pour former la double liaison avec un départ de X. Voilà une réaction d'élimination. E. Radcon E1 ou la E2? E1 ou la E2, elle a ce mécanisme. E1, il sera le départ de X, formation de carbocation, puis de la base intervenue. E2, mécanisme concerté, attaque, départ à H ou X simultanément. Mais maintenant, nous sommes. Ok? Maintenant, il est qu'un, fait l'espèce Y moins, groupe Y moins, qui a un caractère basique, elle déprotonne, elle a une élimination. Il est qu'un, fait l'espèce Y moins, au cas de chemin 1, attaque élimination. Il est quinte basique, déprotonation. Il est quinte Y moins nucléophile, un bon nucléophile, chatera, la substitution. D'accord, le SN1 et SN2. Soit SN1, soit SN2. Substitution qui fait ça. Il est quinte SN1, deux mécanismes en deux étapes. Départ tel X, formation de carbocation, chaligil Y moins attaqué. Sinon, SN2 directement, attaque dorsale, maintenant l'attaque, à dire qu'on dorsale, le dos tel X, ok? Le dos tel X, départ tel X, et formation de la molécule, voilà. Moi, je n'ai qu'à la stéréochimie. Bon, voilà, dorsale, attaque dorsale. En France, bien sûr, avec une inversion de configuration, on a Y, on a H. Bien sûr, il y a qui n'a مهم واش نحكي ستيريوشيمي قد يكون ديكربون اسيميتريك قد يكون هنا قد باش نسهلوا على روحتينا نقولوا ما نقولوا ما كاش كربون اسيميتريك نقولوا H Ok, on a les deux cas SN1 ou SN2, Mohim qui a une substitution. X est remplaçable Y. On a la compétition entre élimination et la substitution. Bon, on a la stéréochimie, on a entre le SN1, SN2, le E1, E2. On a le SN ou le E. Élimination, substitution. Bon, باش تفرق ما بين هاد لي دو رياكسيون خاصك تعرف لي فاكتور فافوريزون اون سوبستيتيسيون نيكليوفيل اي لي فاكتور فافوريزون اون رياكسيون ديليميناسيون انت كاين دي فاكتور انت غدوا في ان اكزرسيس يعطيك في لينونسي كلكو فاكتور من هادوك لي فاكتور تعرف لو تيب دو رياكسيون باسكو الا ما عرفتش لو تيب دو رياكسيون تنجمش تريبوندي على لي كيسيون تاع ليكزرسيس Goulot, facteur favorisant une SN, une substitution nucléophile, il y a deux facteurs. Bien sûr, quel est le mécanisme quel est les facteurs qui donnent l'étude à un mécanisme, quel est d'autres qui n'ont pas le mécanisme, qui goulot, facteur favorisant une SN, une substitution nucléophile, il y a une température, la température.
La température généralement, la réaction de substitution en nucléophile est moyenne, ne est pas élevée. Ok? Une température moyenne. On a quoi là? Un bon, parce qu'on a que faut. Il y a la base, il y a un nucléophile. Il y a un basique, il y a un nucléophile. Il y a un bon nucléophile, il y a un bon, une bonne base ou un bon nucléophile. Ça dépend. S1, c'est un bon nucléophile. Ok? Mais ce sera la substitution. C'est qu'on a un bon nucléophile. Les nucléophiles, on a généralement les halogènes, exemple Br-, I-, ok? Ou OH-, c'est qu'on dilue, mais couche concentrée. Une solution de OH- diluée. Une solution de OH- diluée. Donc maintenant, SN, température moyenne, bon nucléophile, Cl-, Br-, I-, généralement, c'est les nucléophiles, les nucléophiles, substitution nucléophile. Qui est facteur favorisant une réaction d'élimination E, E1 ou la E2, ça dépend. Quoi, la température élevée, maintenant, chauffage, ou une bonne base, qui est une base, qui soit à la amidure, NH2, ou là, les alcoolates, RO-, c'est une les bonnes bases, les milieux organiques. Ou là, le milieu aqueux, on a quoi là? OH- concentré. Maintenant, qui trouve concentré, rac, le mot concentré, maintenant, rac, l'élimination. Ok? On a quoi OH- concentré, rac, l'élimination. Donc, il y a les facteurs favorisant une SN, le facteur favorisant une élimination. Bon. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre la substitution et l'élimination. Bon, dire un tableau. Je dois faire un exercice. Tu as le type de réaction. Qui as le type de réaction? Tu as le mécanisme, tu as la stéréochimie, tu as la réaction. Ok? Tu as la vitesse. Parce que comme tu as le type de réaction, tu n'as juste pas l'exercice. Donc là, je commence. On va dire le SN. SN 1 mal E1. Compétition entre SN 1 et E1. Et on va dire la compétition SN 2 E2. On a ordre 1, ordre 1. Ordre 2, ordre 2. Mécanisme en deux étapes. Mécanisme en deux étapes. Mécanisme. Une seule étape concertée, mécanisme, une seule étape concertée. Ok? Maintenant, qu'il y a des points quand même avec les deux mécanismes, ou les deux réactions d'un goal. Donc, on va comparer, qu'il y a les deux colonnes, comparer SN1E1 à SN2E2. On va commencer le mécanisme. Là, on va parler le mécanisme en deux étapes. Formation. Carbocation on va dire le cas de la substitution nucléophile intervenir nucléophile le cas de l'E1 on a intervenu la base pour déprotoner la molécule déprotoner le substrat on a qui n'a qu'au SN2E2 on a quoi le mécanisme une seule étape concertée ok ou le concerté maintenant le mot concerté maintenant une seule étape. C'est le mécanisme. Donc, on va parler de l'intermédiaire. Qui est l'intermédiaire? Dans le SN1 ou le E1, on a une formation d'un carbocation. Un carbocation, les deux cas SN1 et E1. Le SN2E2 a un état de transition instable, très instable.
Vitesse. كي نحكي SN1 نحكي على une vitesse constante de vitesse fois la concentration de substrat. La même chose pour réaction élimination ordre 1, vitesse constante de vitesse fois la concentration de substrat. Ordre 1, ordre 1. Quelle est la différence? Hana, SN2. Vitesse exprimée en fonction constante de vitesse fois produit concentration substrat nucléophile E2, maintenant nucléophile a une base, constante de vitesse substrat fois la concentration de la base. Okay? Ordre 2, ordre 2, on a ordre 1, ordre 1. Stéréochimie. Qui n'a que stéréochimie. On va dire SN1. Bien sûr. On va dire stéréochimie. Le SN1, il a un carbone asymétrique. La molécule, il a un carbone asymétrique. On a adna, la réaction, elle est les deux cas. Le E1 ou le SN1. Il a quand les conditions de la stéréochimie, la réaction va être non stéréo spécifique. Elle est non stéréo spécifique parce que là, il y a un mélange racimique. Mélange racimique. Hana, l'élimination, chatatina, mélange E plus Z. Matatatina, un mélange d'aller deux stéréoisomères géométriques, E ou Z. Ok? Hana, tatina, il a un carbone asymétrique, tatina, mélange racimique, le R plus S. Exemple, là, tatina, R plus S. Maintenant, la réaction qui goûte stéréochimique, elle est non stéréospécifique, les deux cas. On a un seul produit. Qui nous rend le SN2 ou la E2, les deux cas, on goûte la réaction est stéréospécifique. Stéréospécifique SN2, il a un carbone asymétrique, la molécule fait un seul carbone asymétrique. À une inversion de configuration, il n'y a qu'un substrat qui est R produit c'est S, tatina R ou le S ou S. Il n'y a qu'un substrat qui est S, le produit radicon R. Il n'y a qu'un substrat qui est R, le produit radicon S. Ok, maintenant tatina un seul produit. Il n'y a qu'un E2, ça dépend l'emplacement des substituants. Tatina E ou Z. Donc on a optique, on a géométrique. On a un seul produit stéréospécifique. C'est la stéréochimie. Rojo nucléofuge. On a une colonne. Donc, ma cache différence. On a le classement, les chipnes plusieurs fois. D'ailleurs, le nucléophage, plus le nucléophage est volumineux, plus la liaison est polarisable, plus sa rupture est facile. Maintenant, quand vous avez la taille d'un nucléophage, quand vous avez la liaison polarisable, le départ terre va être plus facile. Maintenant, un bon nucléophage, le catatosylate, qui est le tosylate, c'est un groupement, un bon groupement partant, ou un mauvais groupement partant, le cata lésion fluorure F-. Nous avons le solvant. Solvant SN1 ou la E1 favorisé par solvant
on a polaire, protique, alcool, tel que les alcools, ou la H2O. L'eau, alcool, on a éthanol, méthanol, ça dépend de la structure. On a SN2 ou E2 favorisé par des solvants polaires aprotiques. On a qu'il y a trois solvants DMS ou DMF. On a l'explication pourquoi les solvants favorisent SN2 ou E2. Oula, là, c'est ton. Bon, nous avons dit que nucléophile ou là la base. Le cas d'une substitution, nucléophile, ou le cas d'élimination, il a une base. Bien sûr, le double SN1. Bon, on a dit là un bon nucléophile. Un bon nucléophile, j'ai connu un bon nucléophile. Je tenais à dire qu'on a un halogène Br-Cl-. Comme on a fait les solvants polaires protiques, comme on a dit la taille de l'ion, tant que c'est la solvatation, il y a dans cette solvatation, le nucléophile a dit qu'on est disponible pour une réaction SN1. Donc généralement, on a les ions plus l'ion OH- il est qu'un dilué, en solution diluée. Ok? E1, généralement, on a la mûture des bases fortes, les alcoolates, ok? Ou là, les carboxylates. Ou là, OH-. Les bases racines, bien sûr. OH-, OH-, ça a l'ion hydroxyde. Les bases racines concentrées, milieu concentré. Ok. Hadi pour le E1. Donc, on va le SN2. SN2, pour avoir une SN2, c'est un très bon nucléophile. Il a connu fait DMS ou par exemple solvant classé na, des petits anions tels que le fluor, a dit qu'on plus nucléophile là. Parce que maintenant le phénomène de solvatation, DMS ou maintenant solvatation, maintenant le phénomène plutôt de la liaison hydrogène. Mais le nucléophile, donc on a comment la taille de l'anion, comment on a SN2 favorisé. Ok, E2, donc les mêmes bases restent concentrées. En milieu, R au moins, RCO, 2 moins les alcoolates ou l'OH concentré. Ok? OH moins concentré. Je termine par le dernier point, la température. Quitte à la température de la réaction. SN1, SN2, température moyenne. Ok, on a température moyenne pour la SN1 ou la SN2. E1, E2, température élevée. Température élevée pour E1, E2. Maintenant, il y a quelques facteurs que nous allons différencier.
انا ماذا بيا تعرف لا كومبيتيسيون اس انا او 1 نشوف هنا لا تمبيراتور هنا الفي هنا موين نشوف لا ناتور تاع لي باز سي با لي ميم باز هنا لي ميم كيما قالك لي ميم فاكتور هنا لا ديفيرونس لقاها في لا ناتور تاع لي برودوي نشوف ميم شوف ميم ميم نومبر دي تاب دو زيتاب ميم انترميديير ان كابوكاتيون ميم اوردر دو فيتاس هنايا ديفيرونس هنا ميلونج غاسيميك هنا ميلونج او اي زد اوكي ماشي كيف كيف هنا نيكليوفيل ما نجمش نديفيرونسي سولفون لو ميم هنايا نشوف النيكليوفيل ناتور تاع النيكليوفيل الا كنا كيما نقولوا في لي زالوجين ولا ميليو ديلوي نحكوا على اس ان الا كنا ميليو كونسونتري ان بريزونس دي باز فورت تيل كو لا ميدور الكولات كاربوكسيلات هنا رانا في الاو وكاينه حاجه اخرى لا تمبيراتور تمبيراتور موين راك في لا سوبستيتيسيون تمبيراتور الفي راك في ليليميناسيون دونك هادي هي لا كومباريزون انتر ليليميناسيون اي لا سوبستيتيسيون.